Comment résister à la répétition des choses, filmer les mêmes plans jour après jour, même geste, même lieu. Nos existences s'enfoncent dans d'étranges domaines où règne la confusion des temps qui nous laisse sans parole. Pour la pendule. Comme une petite peur qui monte imperceptiblement et vient nous serrer la gorge et le ventre, et vient nous embrumer les yeux, nous remplir les oreilles de silence. Combien de temps cela pourra-t-il durer? Combien de jours encore? Comme une petite peur qui monte imperceptiblement et vient vider les mots de leur sens. Vider nos yeux des images, vider nos oreilles des sons. Comme effacer le monde, comme une petite peur qui monte imperceptiblement et vient remplir de nuit et de silence nos cerveaux jusqu'au moment où nous comprenons que ce n'est pas le monde qui s'efface, mais nous qui nous effaçons du monde. Ça commence comme ça, petit à petit, sans fracas, juste une sensation de déjà vu, déjà fait, déjà entendu, déjà vécu. Nous nous effaçons du monde, sans même nous en rendre compte, sans savoir qu'il est déjà trop tard pour lutter contre notre propre disparition, à part peut-être en continuant à filmer et à écrire.